Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 14e épisode de mon Let's Play sur le jeu Spore, saison 3. Alors, je vous avais essayé la dernière fois, on avait lancé notre production d'épisodes sur cette planète, d'ailleurs je pense qu'il y a dû y en avoir un petit peu déjà, non? Attendez, j'ai fait du plus 38 par heure, déjà c'est pas mal. Le truc c'est que j'avais plus du tout assez de pognon pour pouvoir améliorer cette planète, donc du coup on va faire des missions de plus classique. En tout cas, j'avais essayé de pas tomber sur une aventure parce que les aventures ça va bien, mais si on veut des sous, les aventures c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais. Sauf que ouais, non, c'est pas possible. Il me demande d'aller sur un autre système taper des gens. J'ai pas le niveau encore. J'ai pas le niveau. C'est un album du donjon de l'Hellebuck, un album t'as pas le niveau. Alors, on a une sœur érosée, on a dessiné des taches sur certains niveaux de la planète Pani, on est... Ok. 25 000 sport food. C'est toujours bien. Zut, pourquoi j'ai fait ça? J'ai encore perdu du fric pour pas grand chose. Alors, il faut s'occuper des 5 créatures ciblées d'espèce 5 Bane. Hihihi. Il y en a une là. Pouf. Ah, ce vaisseau quoi. Pouf. Une précision chirurgicale. Mais complètement. Là par contre je vois rien. Ah, vous m'embêtez, je vois rien. Non, c'était pas le mot. Voilà, ça y est. Quoi? Une catastrophe. Les ovnis sont en train de piller la planète Assein. Assein, c'est pas la... Justement, la planète à épices? À épices violettes? Ah non, c'est chez moi, carrément. Alors, attendez, on va rendre la quête. J'ai besoin d'argent. Je suis un gros capitaliste. Capitaliste, pardon. Capitaliste. Débile. J'ai besoin de thunes. Ouais, j'arrive. Les ovnis sont en train de piller. C'est quoi? C'est des grox? Oh non, c'est des pirates classico-classiques. Bon, bah ça doit aller. Il est là. Coucou. Et toi, mon... Voilà, si tu peux quand même aider un peu. Et de l'argent! Ouais! Ok, d'accord, il n'y avait rien. Ils sont attaqués encore? Ah oui, là-bas. Non, toi c'est à moi, c'est toi. Non, reviens là. Voilà. C'est nickel. Ravitailler, peinard. Donc, bon, il y a pas mal de trucs qui sont débloqués, enfin en tout cas d'objets débloqués. Mais j'ai pas les sous de toute façon, donc pour l'instant ça sert à rien. On va voir si Episiolette a donné quelque chose. Et après on va encore faire une mission. Ah. De l'épice violette. Ok, si ça se vend 5 000, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? On va voir s'il n'y a pas une mission ici par exemple. Là, voilà. Tiens, au fait, tant qu'on est dans l'espace, en ce moment, donc pour moi le 15 juillet, il y a une sonde, la sonde New Horizon, qui est partie en 2006, je crois, qui passe à côté de Pluton et on a enfin reçu les premiers clichés. Et c'est magnifique. Alors, donc ça se vend que dalle. Donc, il faut quoi? Il faut que j'aille faire... ramener la mienne Minotaur à la planète Kekonas. Bon, bah, je suppose qu'il est dans...
C'est par là. Oh, évidemment, c'est chez quelqu'un, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. 58 000. Ah là, là c'est déjà mieux. Déjà on va acheter santé augmentée, hein, parce que c'est toujours bien santé augmentée. Là on est plutôt bien. Donc on va pouvoir renflouer nos caisses. Bon évidemment on va s'arranger, on va vénère les gens en leur piquant des créatures. Ah non c'est bon, c'est des créatures, pas des. Allez sors de là. Hop, je vais décranter ma molette de souris, ça sera quand même plus simple. Ouais, je sais pas ce que j'ai, mon tapis de souris qui est un peu dégueulasse. Voilà, 15 000 sparklouz, c'est toujours bien. Donc, mission, 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 mission. Oula, oula. C'est vrai qu'en roue libre, ma souris va très très vite. Mission. Non, commerce, j'ai plus rien, je suis débile. Les porteurs de la parole de Spot sont attaqués par des autochtones ingrats, nia nia. Ok, d'accord. Éliminer les citoyens contaminés de la planète Dogma. C'est chez quelqu'un? Ah oui, c'est chez quelqu'un. Il y a quand même qu'il y aurait un problème. Je peux. Ah, si, c'est des copains. Bon, si c'est un peu des copains, ça devrait aller. Bon, allez, c'est des copains, on va pouvoir tuer un peu leurs citoyens, hein. C'est pas très très grave. Bon, par contre, vous. Vous restez bien écartés. Je vais me faire tirer dessus. C'est bon, non? Toujours pas? Mais ils sont où les derniers? Ah, là. Ah merde. Tiens, ça a rien fait. Alors ça, c'est trop fort. Ils veulent un spécimen. Bon, attendez, on va leur ramener ce truc-là. Vu qu'on a déjà... Il faut enlever un citoyen civilisé de la planète Hesperine. Hesperine, je suppose que c'est là. Non. Ah, ah, ça c'est bien, une planète avec un mode civilisation, c'est toujours très cool. Parce que ça veut dire de l'épice gratuite. En tout cas presque gratuite. Mais c'est ma molécule. C'est ma molécule celle-là. Ils ont piqué mon design quoi. Y a pas d'épices. Pas, je la vois pas en tout cas. Ils ont piqué mon design quoi. Ah oui mais c'est parce que je les avais pas encore. Voilà, ça y est, l'épice commence à affluer. Faudrait que j'y revienne parce que là du coup on va pouvoir se choper de l'épice gratos. En tout cas presque gratos. Non mais je m'en fiche, je vais pas les récupérer ici. Énergie 3. Toc, énergie 3. Toujours bien d'augmenter nos trucs d'énergie. Alors attendez, on va passer. Oh la vache. Faut vraiment que je me chope un meilleur moteur, hein, parce que là, ça craint, ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Mission accomplie. Mission accomplie. Pardon. Une mission. Donc une mission n'est disponible. Ok, j'ai plus 25. Tranquille. Alors, mon épisodette, mon épisodette, mon épisodette. Dis-moi qu'il y en a 5. J'ai dit 5, pas 3. On va passer à Sein. Non, pas à sec. Oh oh oh. 58 000, ok, c'est chez moi, c'est 58 000 aussi. C'est très bien.
Bon, c'est toujours pas assez parce qu'on était quand même à 600 000 et des patates il y a pas longtemps. Donc, des missions. Il me faut des missions. Encore des missions, toujours des missions. Faudrait que je trouve. Il y a encore des pistolettes. Oh oh oh! En plus, c'est une planète bleue, donc assez facilement terraformable. Tout ça est très intéressant. J'ai juste pas les thunes. Mission. Ah oui, c'est une mission d'analyse. Ça, c'est un peu casse-pied, ça. Système stellaire Teval, il faut... Sabès? Mais Sabès, c'est une tribu. D'ailleurs, une tribu avec un nom... assez... japonais ou chinois. C'est des kanji ou des hiragana? Oh, je sais plus. Oh la vache. Encore que je peux comprendre un peu le japonais, maintenant. Je comprends une... À peu près le japonais. Je le comprends, mais je le dis pas du tout. Alors. Est-ce qu'il y a des bébêtes? I'm searching for a bébête. Oh, c'est des Pikachu! Herbivore, évidemment. D'ailleurs, vous êtes jamais demandé de quoi ils se nourrissaient en Pokémon? Les humains, en tout cas. Voilà. Ah, il faut trouver des échantillons, il faut les récupérer. Tac. Voilà. Pour revenir en arrière. Alors. Oula. Voyageur. Ah, voilà, moteur interstellaire 2. Pas trop tôt. Oula. Ah oui, en mode. J'ai vraiment du mal avec le mode libre, ça va vraiment trop vite. Je crois que ça se vend mieux ailleurs. Il faudrait que je me méfie de ce mode libre de la roulette. Ça va quand même vachement vite. Donc, encore et toujours des missions. Non, je vais retourner. Alors, attendez, d'abord, je vais visiter de nouveaux systèmes un peu. Ok, toi, t'es nul. T'as pas grand chose. Là, y a rien. Y a de l'épice, mais bon. Oh. C'est ça que je cherche. J'ai pas trouvé un seul outil de terraformation. Ah, c'est des pirates, évidemment. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Des vaisseaux Pikachu. Ouh, que c'est violent pour mon cerveau, ça. Toc. Alors, on recule. Attendez. C'est pas là que je voulais aller, c'était là où il y a la civilisation. Ah vache, faut vraiment que je me chope ce meilleur moteur, hein, parce que là... Voilà, 50. On va récupérer du... De l'épice, là, tiens. Bon, par contre, faut qu'on voit les blocs d'épice. Attendez, où est-ce qu'ils peuvent être bien rangés? Ça se pique l'épice. La première d'épice, tout ça, quand même. Mais il est où? Il y a 50 blocs d'épices, techniquement, sur cette planète. Ils sont passés où? Ils ont mangé? Je sais pas. Ah, il y en a un là. C'est vrai qu'il est un peu discret. Ça énerve l'empire local. Mais je m'en fous, il est en facilisation. Là, en fait, c'est une dépendance d'Aise qui se passe. C'est-à-dire que t'as une soucoupe volante qui arrive et qui veut... Non, bah non, c'est une dépendance d'Aise, il détruit tout. Ah, il faudrait que je revienne avec des grosses bombes et un gros laser et puis... Non, attendez, on va faire une dépendance d'Aise en vrai. Enfin, en vrai. Je vais juste récupérer l'épice.
Alors, le Independence Day du pauvre, c'est-à-dire que c'est pas un méga laser qui détruit un bâtiment d'un coup, c'est genre le petit laser. Ouais, ça c'est l'Independence Day du pauvre. En attendant, c'est juste la rencontre du troisième type où je récupère de l'épice, quoi. Ah ah, l'épice. Mais je crois que je suis déjà venu là. Ah non. Alors on en récupère un petit peu. Une fois qu'on en a récupéré genre une bonne quarantaine, on pourra s'en aller, se carapater. On vendra tout ça. Putain, ça stoppe dessus ici. Une fois qu'on aura vendu tout ça. Y'a pas d'épices là? Avant que vous détruisez tout, non? Je l'ai pas vu. Ou alors je suis bigleu. Ce qui est possible aussi, hein. Ouais. Je dois être très bigleu. Alors je suppose que pour vous, ça vous crève les yeux. Pour moi, pas du tout. Bon, allez, on se tire. On se tire. On va aller voir s'il y a pas d'épices violettes qui est arrivée. Et on va récupérer ce nouveau moteur interstellaire. Ah ah, 4 sur 5. Donc ça se vend pas bien ici, je crois. Ah. Bon, c'est pas autant que ce que je pensais, mais... Toc, un moteur interstellaire à 150 000. Voilà, ça y est, on respire un petit peu. Un meilleur moteur interstellaire, c'est quand même largement mieux. Pouvoir se déplacer plus loin qu'un seul système, c'est toujours plus cool. Toc, réparer la vitesse. Ok, ça se vend beaucoup moins ici. C'est pas cool. On va aller voir là si on y est. Ah ah, il y a quelque chose ici. Ça se vend encore moins cher. Non. Je ne vendrai pas mon épice violette durement gagnée à 14 000. C'est ridicule. Ah ah, ça y est. Enfin un outil de terraformation. Enfin, je crois. Oui, c'est un outil de terraformation. Allez, on va le récupérer. Ah ouais, en fait, c'est ma main qui est super moite sur le tapis de souris. Mer d'émeraude. C'est les mers toutes vertes. Ah oui, mais genre, là, il n'y a pas de mer. Il y a des rivières, mais il n'y a pas une seule mer. Donc bon, pour essayer... Ça change absolument rien. Ça a absolument rien fait. Bon, alors on va aller voir ailleurs. Vendre cette épice violette. Ah, c'est mieux. Toc, 230 000 d'un coup. Ce qui me fait penser qu'il faut qu'on achète... C'était quoi? Il faut que je réchauffe un peu la température et il faut que je densifie l'atmosphère. Voilà. On va acheter une colonie. On va améliorer cette colonie à épices violettes. On va que je colonise d'autres pays quand même. Enfin, d'autres pays. D'autres planètes. Alors, je crois que c'était ça. Hein. C'est densification de l'atmosphère et réchauffement. C'était bien ça. Et normalement, là, je pense que ça devrait aller assez vite et qu'on aurait besoin que d'un seul élément. C'est parti. Faut pas que j'oublie de stabiliser le truc. Ouais, j'ai dit réchauffer l'atmosphère aussi. Hein. Je commence pas à m'énerver. Allez, c'est parti, il faut qu'on... Est-ce que c'est déjà là? Espèce déjà présente, ok. Pas cool. Ah non, zut, flûte, quoi. Oh, attendez. Déjà présente. C'est pas ça. Ok, celle-là était pas déjà présente. Déjà présente. Elle-là était pas déjà présente. Faut vite que je revienne pour stabiliser. Y'a pas genre... Ah, si.
Récupérer des petites plantes. Ah, ça fait 20 minutes. Alors, attendez, c'est des petites plantes qu'il me faut. Pas des grosses. Toc. Voilà, on récupère des trucs. On va déstabiliser la planète parce que là il y a urgence. Avant d'arrêter là l'épisode. Stabilise-toi, stabilise-toi, vite. On dirait que je fais une opération quoi. Ça y est, j'ai stabilisé l'indicité. On va pouvoir mettre des créatures. Un Pikachu! Et un carnivore. Voilà! Ça y est, on a débloqué la colonie, on va pouvoir la poser. Et on va pouvoir augmenter la taille des colonies d'ailleurs. Dans la flotte! Non, ça serait une mauvaise idée. Tiens d'ailleurs, bon, on va essayer la coloration. Toc, nouvelle colonie, il resterait 248 000 quoi. Je peux pas l'utiliser? Ah, ouais. Ouais bon, le changement de couleur était pas très flagrant quand même. Hein. Ça fait plus, on voit le fond hein, en vert. Bon, bah c'est pas très grave, tout ça va très très bien. Là on commence à améliorer nos colonies, ce qui est nickel. C'est surtout celle-là qu'il faudrait améliorer. Voilà, donc on va améliorer nos deux villes dans l'épisode prochain. Dans le prochain épisode, pardon. C'est mieux dans ce sens-là. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je me répète. Je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Salut à tous !